Science et Avenir datant de octobre 1959. Il disait, dans 3 ans, en 62, l'homme ira sur Mars. Je pense qu'ils sont un peu trompés. La seule chose qu'on ait appris, c'est qu'on ne saura jamais rien. Prenez une particule élémentaire. Cette particule, elle est partout à la fois. C'est l'âme sœur. Prenez une mare comme ça, très boueuse. Je vois pas ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a un poisson dedans. C'est l'être aimé. Il est là ou il est là, je sais pas. Je ne sais pas où il est. En fait, il a une probabilité de présence, comme les particules. Peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là. L'être aimé, la particule, le poisson, il est partout à la fois. Et si je coupe la mare en deux, la probabilité, elle est la même. Il est probablement là, probablement là. Je sépare les deux mares, boueuses, je ne vois toujours rien. Le poisson, il est dans les deux endroits à la fois. Ça s'appelle l'intrication, et c'est une sorte de mystère amoureux entre deux particules jumelles. Mes atomes, mes particules, mes électrons ou mes neutrons, protons et quartz à l'horizon, enfin mes cordes où que je sois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois.